اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ خالق الخلق باسط الرزق مسخر الرياح فالق الاصباح ديان الدين رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المقربين لا سيما بقية الله في الأراضين الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب بآل محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب فهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ولادت امام رضا ثامن الائمه عليه افضل الصلاه والسلام غريب الغرباء شمس الشموس انيس النفوس المدفون بارض توس عليه الصلاه والسلام on pense toujours à imam zaman عجل الله تعالى فرجه الشريف on félicite en même temps notre douzième imam, Sahib al-Asri wa al-Zaman, Ajjal Allahu Ta'ala, Farajahu al-Sharif. A vous aussi, mu'minine girami, mu'minine aziz et azizane muhtaram. C'est grand jour pour nous, la naissance de notre huitième imam, l'imam Ali ibn Musa al-Rida, alayhi salatu wassalam. Quand on parle à propos de l'imam Reza alayhi salatu wassalam, on pense aussi à sa sœur, c'est Fatimatul Ma'asuma alayhi salam. Parce que quelques semaines qui est passé, c'était Veladate Hazate Ma'asuma alayhi salam aussi. Nous sommes maintenant dans le Vedalate Imam Ali ibn Musa al-Rida alayhi salatu wassalam. Imam Reza, c'est le gharib al-ghuraba. Quand on fait ziyarat tout le temps, on prononce le terme gharib al-ghuraba. Gharib, c'est pas faqir. Alors quelquefois, quand on traduise le nom gharib, on traduise faqir. C'est pas ça le gharib. Gharib, cela veut dire seul, parce que Imam Reza,
si on regarde bien la géographie, le tarikh, l'histoire, alors tous les a'immas alayhim afdhalus salatu wassalam, ils sont presque ensemble. En Irak, si on regarde bien, c'est Imam Hussein, Imam Moussa al-Kadhim alayhi salatu wassalam, Imam Hadi, Imam Ali Naqi et Imam Ali alayhi salam. Tout en Irak et les autres aussi, Madinatil Munawwara, Baqiya. Mais Imam Reza alayhi salatu wassalam, il est seul en Iran, c'est pour cela qu'on dit tout le temps quand on fait ziyarat, et ziyarat spécial aussi pour Imam Reza alayhi salatu wassalam, Gharib al-Ghuraba. سئل الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام أصحاب ils sont venus chez Imam Reza عليه الصلاة والسلام ils sont demandé التوحيد c'est quoi qu'est-ce qu'elle veut dire توحيد توحيد معرفة خدا ça c'est clair c'est connu mais Imam Reza a dit a répondu التوحيد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عليا ولي الله. Les trois kalimas, trois phrases, c'est ça le tawhid, le vrai tawhid. C'est pas que on pense à notre bon Dieu seulement, on passe pas à Rasul Khuda ou à Imma alayhi mafdhul salat wa salam. Tawhid, c'est les trois mots. C'est shahadat an la ilaha illallah, شهادت أن محمد رسول الله إلى التوازم توحيد سكوا وأن عليا ولي الله أبقى إمام أدي إلى ها هنا التوحيد جس كيسي التوحيد سمعرفة خدا c'est qu'il croit à Dieu mais il pense pas à رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم il pense pas au أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام il connaît pas le توحيد توحيد le vrai توحيد c'est ça Le vrai tawhid, il faut penser à Dieu, il faut penser à Rasul Khuda aussi, le prophète de Dieu, et il faut penser à Imam alayhi afdhalu salatu wassalam. C'est pour cela Imam Reza a dit Ilaha huna tawhid. Dans le Jami'atul Kabira, Ziyarat Jami'atul Kabira, tout le temps quand je parle, je vous le disais aussi et je répète, alors tout le temps, Je vous dis que Ziyarat Jami'atul Kabira, c'est le behtarin matn et les meilleures phrases pour le ma'rifat a'imma alayhim afdhalus salatu wassalam. Si vous partez au Ziyarat, Ziyarat tous les a'imma alayhim afdhalus salatu wassalam et les meilleurs Ziyarat que vous faites, c'est le Ziyarat Jami'atul Kabira. C'est pour cela Imam Khomeini, qaddas Allah nafsahu zakiya, pendant 15 ans, il était à Najaf. 15 ans, mais Tous les jours, il fait ziyarat Jami'atul Kabira auprès de Qabr Imam Ali alayhi salatu wassalam, debout. Ce n'est pas assis, hein, c'est debout, Imam, il fait ça. Imam Khomeini, Qaddasallah nafsahu zakiya. Pourquoi? Parce que ziyarat Jami'atul Kabira, c'est très important pour ma'rifat à Imam alayhi salatu wassalam. Il y a une phrase. Dans cette ziyarat-là, Inch'Allah, je vous donne cette phrase-là avec la traduction. Après, vous voyez pourquoi on fait salavat par Muhammad ou Ali Muhammad. Pourquoi on envoie tout le temps salawat, salam à notre a'imma alayhim afdhalus salatu wassalam. Avant tout, ziyarat de Jami'atul Kabira, ça c'est ziyarat de la part de Imam Al-Hadi. Alayhi salatu wassalam, dixième imam, notre dixième imam, imam Ali ibn Muhammad al-Naqi al-Hadi, alayhi salatu wassalam. Le phrase c'est ça, wa ja'ala salatana alaykum, wa ma khassana bihi min wilayatikum, tuyban li khalqina, wa taharatan li anfusina, Pourquoi on fait salavat? On envoie notre salavat à notre a'imma alayhim afdhalu salatu wassalam. Dans le ziyarat jami'atul kabira, ce terme-là, c'est ça. Waja'ala salatana alaykum. Notre salavat sur a'imma alayhim afdhalu salatu wassalam.
وما خصنا به من ولايتكم. Pourquoi on fait salawat? Pour que vilayat ahl bayt, mahabbat ahl bayt sur nous. C'est pour cela qu'on fait salawat. On envoie salawat tout le temps. Salawat, deux traductions pour salawat. Il y a salawat zahiri et salawat batini. Cela veut dire salawat extérieur et salawat intérieur en même temps. Inch'Allah, je vais vous dire qu'est-ce qu'elle avait dit salawat extérieur et salawat intérieur. On fait salawat, pourquoi? On envoie notre salam et salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad tout le temps. Pourquoi tuyban li khalqina? Pourquoi? Pour la propreté de notre corps aussi. Ahl bayt, zikr ahl bayt. Le bénéfice, c'est ça. C'est que notre corps, ça va être propre, ça reste propre tout le temps. Ce n'est pas notre corps seulement, nafs aussi, notre âme aussi, ça va être propre. Parce que zikr ahli bayt, c'est ça l'importance. Pour ahli bayt, c'est ça. Taharat nafs et taharat jism, badan aussi. Taharat pour notre corps et taharat pour notre âme, nafs aussi, quand on fait salavat. Quand on fait salawat, ça c'est kaffaratan lidhunub. Allah tabarak wa ta'ala, il efface notre péché aussi. Quand on fait salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je vais vous donner un hadith aussi de la part de Rasul Khuda, Muhammad et Mustafa sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Imam Ja'far al-Sadiq, عليه الصلاة والسلام أدي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد حديث à propos des salavat dans le livre وسائل الشيعة livre spécial pour notre madhab il s'appelle ce livre là وسائل الشيعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أدي من صلى علي مرة quand on fait salavat une fois une seule fois Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad c'est fini. Man salla alayya marratan sallallahu alayhi alf marra. C'est pas 10 fois Allah tabarak wa ta'ala il fait salavat sur ces gens-là. Non. Allah tabarak wa ta'ala il fait 1000 fois salavat sur lui aussi. Quand on fait une fois salavat par Muhammad wa ali Muhammad sur Muhammad et ali Muhammad Allah tabarak wa ta'ala il nous donne, il fait salawat aussi pour nous 1000 fois salawat. Une seule salawat, 1000 fois salawat. Man salla alayya marratan sallallahu alayhi alf marratin fi alf saffin min al malaika. Avec 1000 rangées de malaika, de ferishta. Allahu akbar. Quand on fait une seule salawat, Allah tabarak wa ta'ala, il fait 1000 salawat pour nous aussi. وَلَمْ يَبْقَى شَيْءٍ مِمَّا خَلَقَ اللَّهِ إِلَّا وَقَدْ صَلُّوا عَلَيْهِ بِصَلَاتِ اللَّهِ وَصَلَاتِ مَلَائِكَتِهِ. Vraiment, ce hadith-là, ce grand hadith pour nous, et ça c'est fazilat et salawat par Muhammad et Ali Muhammad. Quand on fait salawat sur Muhammad et Ali Muhammad, Allah tabarak wa ta'ala, il fait 1000 salawat pour nous et tous les créateurs de Dieu aussi, ils font salawat sur nous aussi, sur nous. Et malaïka, tous les malaïka aussi, ils font, tous les ferishta, tous les anges, ils font salawat aussi sur nous. Ça c'est hadith à propos des salawat et ça c'est salawat zahiri. Mais salawat, quand on fait salawat, batini c'est quoi? L'objectif des salawat c'est quoi? Ça, c'est les termes, c'est les prononciations. On fait Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mais dedans, c'est quoi? Wa sallimu taslima. Ayat Quran a dit comment? Ayat Quran a dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi. Ça, c'est zahir salavat. On prononce. On envoie salavat à qui? À Muhammad wa Ali Muhammad, notre prophète et les compagnons des prophètes et les descendants des prophètes Muhammad wa Ali Muhammad. Mais le batin des salavat, c'est intérieur des salavat, c'est quoi? Le bénéfice des salavat, c'est quoi? Wa sallimu taslima, c'est ça.
tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, a'imma alayhim afdalus salat wa salam, il faut accepter. C'est ça les zahir et salawat. On est là aujourd'hui, on reste comme ça, avec religion, tout ça. Ça, c'est grâce à Ahl al-Bayt alayhim afdalus salat wa salam. Et dans le ziyarat, c'est ça, le terme « وَجَعَلَ صَلَاتَنَا عَلَيْكُمْ وَمَا خَصَّنَا بِهِ مِنْ وِلَايَتِكُمْ طِيبًا لِخَلْقِنَا » Quand on fait salawat, le nafs et le khilqat, cela veut dire notre corps, notre âme, « طِيبًا لِخَلْقِنَا وَطُهَارَةً لِأَنفُسِنَا » ça reste propre tout le temps. Salawat, pas besoin de l'ablution. Cela veut dire, quand on fait salawat, ce n'est pas obligatoire avec wuzu, par exemple, avec taharat. Ça, c'est as-salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. Tout le temps, dans notre hadith, ils disent que deux salawat, pas besoin de l'ablution, pas besoin de wuzu. Un, c'est as-salat ala al-mayyit, quand on fait namaz sur le mayyit, ça, c'est la première chose, pas besoin de wuzu, ce n'est pas obligatoire, on prend le wuzu. Et le deuxième salawat, c'est As-salat ala Muhammadin wa ali Muhammad. C'est gratuitement, on peut faire ça tout le temps. As-salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Salawat bar Muhammad wa ali Muhammad. Quand on envoie salat ala Muhammadin wa ali Muhammad, et le premier objectif, le premier bénéfice, c'est comment? Tuyiban li khalqina. Khalqat, notre corps, ça reste bien tout le temps. Ça reste propre tout le temps. Wa taharat li anfusina et taharat nafs. Notre âme aussi, ça reste taharat tout le temps, propre. Wa tazkiyat lana. Ça, c'est tazkiyat nafs aussi. Nafs tout le temps, ça reste bien si on fait salavat. Et la dernière chose, et la quatrième chose, c'est comment? Wa kaffarat li dhunubina. Si on fait salawat tout le temps, Allah tabarak wa ta'ala, il efface notre péché. C'est ça les ziyarat et jami'atul kabira. C'est pour cela que je vous dis tout le temps que faites-vous ziyarat et jami'atul kabira quand vous faites ziyarat et a'imma alayhim salam. C'est le premier ziyarat que vous faites, c'est le ziyarat et jami'atul kabira. Parce que ma'rifat et a'imma alayhim salam est le behtarin meilleur terme pour ma'rifat et a'imma alayhim salam dans le ziyarat et jami'atul kabira. Les ulamas, ils font ça. Et je vous donne une petite histoire aussi à propos des ziyarat et jami'atul kabira. Allama al-Majlisi, rahmatullahi alayhi. Ce n'est pas le Majlisi que l'écrivain de livre Biharul Anwar. C'est le père de Majlisi, papa de Majlisi. C'était Muhammad Taqi Majlisi, rahimahullah. Ça, c'est avant Bakirul Majlisi. Parce que Bakirul Majlisi, ça, c'est Sahib. C'est l'écrivain de livre Biharul Anwar. C'est son père avant lui. C'est l'histoire là, cette histoire-là de la part de son père. Muhammad Taqi Majlisi, rahimahullah, dans le livre Rawdatul Muttaqin. Cinquième volume dans ce livre-là. Muhammad Taqi Majlisi a dit, un jour, j'étais chez Imam Riza, alayhi salatu wassalam, pour faire le ziyarat d'Imam Riza. Je fais aussi le ziyarat du Jami'atul Kabira. Et le terme, c'est ça. Baina naumi wal yaqwa. Entre sommeil et réveil, moi je vis Imam Zaman Ajjalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Imam Zaman, pour voir Imam Zaman, ça c'est pas simple et c'est pas pour tout le monde. Mais Awliya et Khuda, Vali et Khuda, tout le temps, ils vivent avec Imam Zaman, Ajjalallahu Ta'ala, Farajahu Sharif. Muhammad Taqi Majlisi a dit, moi je lisais Ziyarat Jami'atul Kabira, Imam Zaman, il était venu chez moi. Il a dit, c'est quoi tu récites? Quel est le doigt que tu récites? Muhammad Taqi
Majlisi a dit, Imam, c'est les ziyarat jami'atul kabira. Il a répondu comme ça. Imam Zaman a dit, ni'matu ziyarat hadhihi. Regarde le terme de Imam Zaman. Ni'matu ziyarat hadhihi. Cela veut dire, c'est le behtarin et le meilleur ziyarat, cette ziyarat-là. Imam Zaman même, il certifie que ziyarat jami'atul kabira, c'est le behtarin ziyarat et le meilleur ziyarat. Alors, lisez-vous ziyarat jami'atul kabira, c'est le meilleur ziyarat. Imam Zaman, après ça, il a dit à Muhammad Taqi Majlisi, viens près de moi. Allama al-Majlisi a dit, vraiment c'était difficile pour moi, c'était lourd pour moi, parce que quand on est près de Imam Zaman, ça cela veut dire difficile. Même le comportement, comment on reste chez Imam Zaman, auprès de Imam Zaman. Mais Imam Zaman a dit, venez, venez avec nous. Venez auprès de nous. Après, Allama al-Majlisi, Muhammad Taqi Majlisi, il a dit, je suis venu chez Imam, auprès de Imam. Après, Imam a dit, restez tranquillement. Je restais auprès de Imam. Après, Imam a dit, vous êtes notre zouar. Vous êtes notre zouar. Vraiment, ce que vous dites, ce que vous faites, le ziyarat là, c'est le behtarin ziyarat. C'est pour cela que je vous dis tout le temps, le ziyarat jami'atul kabira, c'est le meilleur ziyarat, ça. Imam Riza, alayhi salatu wassalam. Le sifat de Imam Riza, c'est quoi? Alors, beaucoup de gens, hein, ce n'est pas le musulman seulement, et ce n'est pas chiite seulement. Quand ils font ziyarat pour Imam Riza, elle a beaucoup de choses, il prend beaucoup de choses. Elle a tout le temps ziyarat là, quand ils font ziyarat, Allah tabarak wa ta'ala, il répond tout de suite. Elle a beaucoup de gens, ils vont là-bas pour faire le ziyarat Imam Riza, leur hajat même. Parce que c'est connu, c'est le père de Imam Riza, Moussa ibn Ja'far, c'est Babul Hawa'ij. Mais tous les a'immas, je vous dis que tous les a'immas, c'est Abwabul Hawa'ij. C'est la porte des hajjats, c'est eux, c'est notre imam. Ça, c'est pas la veut dire, bon, je laisse Imam Reza, je vais faire ziyarat Imam Moussa ibn Ja'far, parce que je des hajjats, je demande quelque chose à notre bon Dieu. Babul Hawa'ij, c'est Imam Moussa ibn Ja'far, c'est pas Imam Reza. Ça, c'est faux, ça. Tous les a'immas. Bon, c'est connu que Imam Moussa ibn Ja'far Babul Hawa'ij. Mais tous les a'immas, alayhi afdhalu salatu wassalam, commencent par Imam Ali jusqu'à Imam Mahdi, tout le monde, c'est Babul Hawa'ij. Quand on fait doua, on amène leur nom devant Dieu, Allah tabarak wa ta'ala, il donne tout le temps notre hajat. Il répond notre hajat. Ça, c'est connu, ça. Surtout Imam Riza. Alayhi salatu wassalam. Imam Reza, c'est connu. Quand on fait ziyarat Imam Reza, on dit Assalamu alayka ya gharib al-ghuraba. Imam, c'est gharib, c'est seul. Mais pourquoi Imam, il était seul? Pour tablir, pour hijrat. Mu'minin. Je vous le disais que muhajir et musafir, c'est pas pareil. Hijrat et safar, c'est pas pareil. Safar, quelquefois, je pars en voyage, mais si je vois qu'il y en a difficulté dans ce voyage-là, je retourne. Ça, c'est safar, ça, c'est simple, ça. Mais hijrat, ce n'est pas comme ça. Hijrat, cela veut dire, je sais 100% qu'il y en a difficulté dans ce voyage-là, mais je reste prudent tout le temps. Je reste avec Dieu tout le temps. C'est ça, le hijrat. Et même Ali ibn Musa Riva, alayhi salatu wassalam, ce qu'il a fait, c'est ça, c'est hijrat. C'est hijrat. Comme Hazrat Ibrahim al-Khalil a dit dans le Coran Majid, « Inni muhajirun ila Rabbi. » Moi, je fais hijrat envers mon Seigneur, mon Dieu. C'est pour cela, Imam Reza aussi, il a pris ces paroles-là. C'est hijrat qui a fait Imam. Il a fait hijrat. C'est pour cela, il est gharib.
السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء. Travail des imams, c'est quoi? Imam, tout le temps, il aide les zaïfs, cela veut dire le faible, wal-fuqara, et les pauvres aussi, tout le temps. C'est ça le travail de Imam Reza, alayhi salatu wassalam. C'est pas seulement Imam Reza qui a fait ça, mais c'était connu dans le Imam Reza, c'est aider le zaïf, les pauvres et le faible tout le temps. Assalamu alayka ya shamshas shumus. Ça c'est ibarat ça, les termes ça. Beaucoup de soleil. Tous les a'imma sont soleil. Mais le vrai soleil c'est qui? C'est Imam Reza, ajjalallahu ta'ala, farajahu sharif, et alayhi salam quand même. Assalamu alayka ya shamshas shumus, ya anisan nufus, ayyuhal madfoun, bi ardhutus. Même l'enterrement des imams c'était où? C'est Arvitus, c'est Mashhad Muqaddas, c'est Khurasan. Tout ça, c'est Fateh. Imam Reza, alayhi salatu wassalam. Imam Reza, ce qu'il a fait ici, il a beaucoup de choses, il a fait, et sacrifié. Et grâce à Imam Reza aussi, on est comme ça. Alayhi salatu wassalam. Mu'minina Aziz, Mu'minina Girami. Le nom de A'imma alayhim afdhalus salatu wassalam, c'est pas comme notre nom. On s'appelle entre nous ce qu'on voulons. Cela veut dire n'importe quel nom. Mais le nom de A'imma alayhim afdhalus salatu wassalam, ça c'est, il y a de la traduction, il y a de tafsir. Imam Reza, dans notre tarif, pourquoi il s'appelle Reza? Parce que Ravi bi qada'illah tabarak wa ta'ala. Il acceptait le rezaïat et khuda, le qaza et khuda, les justices de Dieu et le jugement de Dieu quand même. Ravi bi qada'illah. Alors tout le monde c'est comme ça, mais c'était connu ça à l'époque de Imam Reza, alayhi salatu wassalam. Je vous le disais avant, que quand on pense à Imam Reza, alayhi salatu wassalam, on pense aussi à Fatima Ma'asoumé, alayhi salatu wassalam. Et il y en a hadith, et hadith ça c'est connu entre nous, et c'est par cœur aussi entre nous, que Imam Reza a dit, Manzar al-Ma'asouma biqum. Même le nom Ma'asouma, c'est Imam Reza qui a donné ce nom-là. Mais le nom de Hazrat Ma'asoumé, c'était Fatima. Mais Hazrat Imam Reza, alayhi salatu wassalam, il a dit c'est Ma'asouma. Oui, c'est connu entre nous, c'est les 14 Ma'asouma. Entre nous, c'est les 14 Ma'asouma, commence par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à Imam Zaman, ça c'est vrai. Mais Ma'asouma aussi, il y en a de qualité de Esmat dans le Fatima Ma'asouma. C'est Imam Reza qui a donné ce nom-là. À la fin, c'est le dernier, je vous donne cette hadith-là de la part d'Imam Reza, alayhi salatu wassalam, a dit « Manzar al-ma'asouma bikum, faqad zarani. » Ce qui a fait ziyarat Hazrat Ma'asouma, alayhi salatu wassalam, dans la ville de Qom al-Muqaddasa, cet homme-là, ces gens-là, comme il a fait mon ziyarat aussi à Mashhad. Manzar al-ma'asouma bikum faqad zaroni. Bon, ziyarat a'imma alayhim afdhal salatu wassalam, c'est ça. Inch'Allah. J'en vois tout le temps et j'en vois aussi le félicitations à Imam Zaman, ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Et félicitations aussi à notre Maraji Ezam, Maraji Taqlid, Ayatullah al-Uzma. Assistani, Ayatullah al-Uzma, Ali al-Khamenei, et vous, Mu'minin Girami, dans 7 jours, le grand jour vraiment, c'est le Veladate Imam Reza, alayhi salatu wassalam. On demande à notre bon Dieu, Inch'Allah, tout le temps on reste dans l'ombre de Imam Zaman, Ajjalallahu ta'ala, Farajahu Sharif, et on reste aussi dans le zikr
أئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين.